Somewhere in space, this may all be happening right now. 20th Century Fox and George Lucas, the man who brought you American Graffiti, now bring you an adventure unlike anything on your planet. Star Wars. Here they come. Coming in too fast! The story of a boy, a girl, and a universe. It's a big, sprawling space saga of rebellion and romance. It's a spectacle, light years ahead of its time. I am C-3PO, human-cyborg relations, and this is my counterpart, R2-D2. Hello. It's an epic of heroes. Villains and aliens from a thousand worlds. Star Wars. A billion years in the making, and it's coming to your galaxy this summer. Voilà, c'était donc un extrait de Star Wars, La Guerre des Étoiles. Je ne sais pas s'il aura le même succès en Europe, mais en tous les cas aux États-Unis, c'est les records absolus. Alors comment vous expliquez, Carrie Fisher, l'identification du public américain? Quel âge a le public en Amérique qui va voir ce film? À tous les âges. Tous les âges. Je pense, oui. C'est pour les enfants de 6 ans et 60-20 ou 79, je ne sais pas. Non, vous nous faites l'amitié de faire l'effort de parler français et ça va très bien comme ça, oui. Donc, public de tout âge. Alors, pour vous, jeune comédienne, qui commençait, est-ce que c'est un rôle, ce rôle de la princesse, est-ce que ce n'est pas à la fois un rôle qui risque de promouvoir votre carrière ou un rôle dangereux parce qu'on va toujours vous identifier à la petite princesse de la Guerre des Étoiles? Est-ce que vous n'avez pas peur? J'espère que ce n'est pas le seul rôle que je fais. Avec beaucoup de style. Oui. Si, avec les cheveux comme ça. Oui, pourquoi George Lucas a voulu vous coiffer de cette façon dans le film? Car c'est vrai que la coiffure est très différente, on ne vous reconnaît pas comme ça. Est-ce que les gens vous reconnaissent en Amérique, à New York, quand vous vous promenez dans la rue avec cette coiffure? Non. Pas du tout. Quelquefois, mais pas beaucoup. Qu'est-ce que représente ce film pour vous dans votre carrière? Vous pensez que c'est une étape importante? Oui, parce que c'est un grand succès. Alors, tous les passants dans le film, c'est un succès pour tout, j'espère. Vous avez eu des propositions de films après Star Wars, qui est sorti en Amérique, je crois, au mois de mai. Oui. De cette année. Oui, quelques, mais je n'avais pas reçu un script que j'aime. Alors, il faut dire que c'est une petite princesse qui n'est pas une petite princesse à l'apéro, c'est-à-dire très alanguie, très tranquille. C'est une petite princesse qui se bat. Oui. Qui a du caractère. Oui. C'est à Georges, le réalisateur. Réalisateur. Oui, et il a écrit le script de Star Wars aussi. Et il a fait les caractères pour tout. Très spécifique, très bien, je pense. Parce que ce n'est pas une victime, la princesse. Elle est très forte. Et c'est bien. Il n'y a pas beaucoup des femmes fortes dans les films maintenant. C'est vrai. Même en Amérique? Oui. Même tout en Amérique. Ah, oui, il n'y a pas qu'en Europe, hein, finalement. Il y a quand même de très beaux rôles pour les femmes en Amérique. Oui. Ouais. Est-ce que le tournage était très, très épuisant, très difficile, avec tous les effets spéciaux, les trucages, etc.? Non, pas tout le temps, mais quelquefois c'est difficile. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à faire. Qu'est-ce qu'on dit? J'ai oublié le mot. Quand vous faites les choses très physiques. Un engagement physique. Oui, il y a des explosifs et quelquefois... vous faites la réaction de quelque chose qui n'est pas là, comme quand
mon planète à détruire, les êtres du mal à détruire mon planète. Il y a seulement un homme qui avait son main comme ça et je regarde. Et... Oui. Harrison Ford, vous alors, vous apparaissez dans ce film. Dans ce film, vous jouez, on ne vous voit pas dans cette séquence, dans la séquence que nous avons montrée. Vous êtes le pilote un peu mercenaire, un petit peu hors la loi, qui vient finalement au secours de ces malheureux pour aller délivrer la princesse. C'est presque un rôle de personnage de western que vous avez dans ce film. Êtes-vous d'accord avec ma définition? And it's almost the part of a mercenary in a western. It's almost a western character that you're playing. Do you agree with that? Ah, well, the character is the kind of character that appears in many different kinds of American films, in westerns and in contemporary dramas. It's a common character. All of the characters are very simple kinds of archetypical characters. C'est un personnage assez classique qui apparaît dans toutes sortes de films, dans différents genres de films, western ou autre. C'est un personnage très délimité. Pourquoi a-t-il dit oui à la proposition de Lucas, de tourner avec Lucas? Il avait tourné, je crois déjà, est-ce qu'il n'avait pas participé à American Graffiti, lui-même metteur en scène? Why did you accept to do this film with George Lucas? You did a film for him before, didn't you? Yes, I did American Graffiti with George. I respect his film craft very much, and I saw the opportunity in this character to play a part that I thought would be very successful in the film. J'ai beaucoup de respect pour le talent de George Lucas. J'avais auparavant tourné dans American Graffiti pour lui et j'ai vu là l'occasion pour moi de jouer un rôle intéressant. Est-ce que sa participation dans ce film s'est soldée par d'autres propositions? Je crois qu'il va partir bientôt en Yougoslavie tourner. Did this part bring you other propositions for parts? I believe you're going to do another film in Yugoslavia now. Yes, I'm going to do a film that's produced by Carl Foreman called Force 10 from Navarone, World War II action adventure drama. Je vais tourner un film produit par Carl Foreman qui s'appelle the title Force 10 from Navarone. Force 10 de Navarone, et c'est un film de la Deuxième Guerre mondiale. Bien, alors, bonne chance à Harrison Ford, il le mérite bien, car il fait partie, justement, je le disais, de cette génération de comédiens américains que nous, Européens, nous ne connaissons pas toujours, mais que nous découvrons au fil des films. Et... Good luck to you, because you are a member of that generation of artists that we don't know yet, but we're discovering one after the other. Okay. Alors, le producteur, un homme heureux, les dollars rentrent à l'appel. Oui. Oui. Écoutez, vous nous avez fait l'amitié... Gary Kurtz, de nous apporter une chose exclusive que nous allons voir tout de suite, si on peut nous l'envoyer sur l'écran, c'est le tournage du tournage. On va retrouver quand même ces personnages, ces robots qui ont une très grande place dans ce film. Et si vous le voulez bien, nous allons, avec le concours d'Elisabeth Gagarine, commenter un petit peu ces images. Voilà. Alors ce robot, il a une place très importante. Working with 3PO was always very difficult. Tony had trouble walking in the suit the first few days in Tunisia. It was always very hot, it was very windy, and sand got in the suit a great deal. C'était très difficile de travailler avec le robot 3PO parce qu'il faisait très chaud en Tunisie, il y avait du vent et le sable s'introduisait dans toutes les articulations. Attention, une question là, le petit robot RD2 que personnellement j'aime beaucoup, est-ce qu'il y a un homme dedans ou s'il est mu par une pile? Is there a man in R2-D2 or is it remote control? Some of the time it was remote controlled and some of the time there was a man inside. Quelquefois il était télécommandé et dans d'autres scènes c'était un nain qui était à l'intérieur. Ouais, alors là, ce sont les scènes qui sont tournées en Tunisie, car vous avez tourné en Tunisie, au Guatemala, dans la vallée de la mort et à Londres, je crois, c'est ça. This is working with the little people, which were Tunisian and American children and two midgets that were the creatures that kidnapped the robots. Les petits sont interprétés par des enfants tunisiens et deux nains. Oui. Ceux qui ont kidnappé les robots. C'est ça, les hommes de la montagne. Non, les Jawas, les petits. Les Jawas. This is in a village in Ajim, on the island of Djerba.
that was been reconstructed or added to by our art department from England, added all of the special effects and space props. Voilà. Cette séquence a été tournée dans l'île de Djerba, oui. Dans un village qui a été modifié et agrandi par notre équipe de décorateurs qui est venue d'Angleterre. Et tous les robots, là, que ce soit RD2 ou l'autre, ont été fabriqués où? Where were the robots manufactured? In London. À Londres. À Londres. Alors oui, justement, c'est dans ce village-là que nos amis, qui veulent délivrer la princesse, retrouvent Harrison Ford, le pilote qui va leur prêter son vaisseau spatial pour aller chercher la belle. Oui. This is the canyon scene in central Tunisia where Alec Guinness first finds. Oui, Alec Guinness. C'est le ravin au centre de la Tunisie dans lequel Alec Guinness va retrouver nos jeunes héros. Marie-José Nat me souffle une question. Combien a coûté le film? How much did the film cost? $9.5 million. 9 millions et demi de dollars. Voilà Alec Guinness que nous voyons ici, qui a un rôle très important et qui, comme d'habitude, est éblouissant. Et notre robot. Mais alors, c'est très curieux ce robot. Pourquoi a-t-il deux hommes pour le soutenir? On a l'impression quand même que la carcasse, l'armure est légère. Two men to support him while the thing itself looks light enough. Walking in the sand is very difficult for him, and he has to rehearse the route several times. C'est très difficile de marcher dans le sable, et il a dû répéter plusieurs fois son chemin. Alors voilà aussi le compagnon du robot. Qui fait, ces deux personnages d'ailleurs font penser à Laurel et Hardy, hein, comme référence, un petit peu le dialogue. They remind one of Laurel and Hardy. Et la princesse. Yes. Alors là, c'est le hangar où il y a tous les avions pour l'assaut final. Ça se passe où, ça aussi? Ça se passe où? Ça, c'est où, ça? Et il demande où est ce big set? This was at Shepperton Studios in London. Au studio Shepperton, près de Londres. Il y a ces masques là que vous nous avez apportés, que portent les personnages, qui sont très terrifiants, etc. Monsieur Kurtz, quand on vous a proposé ce scénario, honnêtement, avez-vous pensé que ce serait un tel raz-de-marée de dollars? When they offered, they submitted the script to you, did you really and honestly believe it would be such an overwhelming mass of dollars coming in? No, we went through seven versions of the screenplay to come up with the story that George especially and all of the rest of us felt was the right one to tell with this, but we had no idea at that time. We didn't even have any idea when the film was finished that the response in America would be as tremendous as it has been. Nous avons eu sept versions différentes du scénario et même arrivé au stade final et même le film une fois terminé, nous n'avions aucune idée que le public réagirait de cette façon au film. 9 millions de dollars pour tous les trucages qu'il y a dans ce film qui sont multiples, enfin permanents. C'est presque pas cher. He said the $9 million for all the trick work involved in the film doesn't seem expensive. No, we intended the film to. We knew that it would be difficult to do it all for that price, so we planned the film to be a low budget film, to be as simple and as economical as possible, and we designed new equipment to do the special effects and built our own equipment so that we could do 400 shots in a year. Nous savions que ces trucages seraient très coûteux et c'est pourquoi nous avons conçu le film comme un film à petit budget de façon à nous permettre de réaliser tous ces trucages pour lesquels nous avons conçu des procédés spéciaux de façon à faire 400 plans dans l'année. 9 millions de dollars, Michel Drac, ça vous laisse rêveur comme petit budget. Ça fait 10 films pour vous, non, même plus. Là, 45 millions de francs français. Voilà, la traduction est faite. Et puis 22 millions de francs suisses, comme ça on en fait la traduction complète. Bon, est-ce que, comment expliquez-vous vraiment cet extraordinaire engouement du public, vous, à votre avis? How can you explain that extraordinary response? En Amérique, hein, bien entendu. In the United States. It's difficult to tell sometimes, but I think that partly it's due to the fact that there hasn't been a good, enjoyable action adventure fantasy in a long time.
C'est un peu difficile à expliquer, mais probablement une de la raison est qu'il n'y a pas eu de film qui soit un film d'aventure, un film de fantasy et vraiment de distraction et de spectacle depuis très longtemps. Je propose à nos amis américains de subir eux aussi le feu de la critique qui va nous parler de Star Wars. Ah, c'est, je suis sûr que c'est Max Marc Thomas qui va nous en parler le premier. S'il veut bien. Moi, je veux bien, mais je ne sais pas très bien pourquoi cet honneur m'est réservé. Non, ce que je dirais, je me suis beaucoup amusé à cette guerre des étoiles pendant un petit moment. Vous avez été séduit l'invention, par la princesse. L'invention des robots charmantes, le petit robot trapu qui ressemble à une machine à nettoyer les parquets, et puis la mécanique tout en or qui l'accompagne, sont drôles. Seulement, au bout d'un petit moment, on a compris. Et alors, je ne voudrais pas quand même, c'est d'un infantilisme, le récit est quand même d'un infantilisme un peu terrifiant à nos yeux. C'est très joli, c'est parfait pour les enfants, sauf quelques scènes de violence que notre censure peut-être ne pardonnera pas, elle est peu disposée au pardon. Mais je pense que ce n'est pas ce genre de film qui sauvera le cinéma. On a connu le western, j'aime beaucoup le western. On a connu ensuite le western spaghetti. On connaît maintenant le western karaté. Alors si on nous impose maintenant le western galactique et robot, je trouve qu'il ne faudrait pas que ça tourne quand même à la série. C'est très joli, c'est très bien fait, ça a coûté beaucoup d'argent. J'en suis bien persuadé. Hein, ou à l'échelle américaine, à nous, ça coûte assez cher. Mais enfin, on dit qu'on pourrait faire beaucoup de choses avec cela. Mais enfin, ce n'est pas un film qui est destiné à révolutionner le monde ni le cinéma. Bon, un d'exposé sur moi, donc c'est à moi. Mais c'est un film que j'aime bien. Je trouve que c'est le mariage de Flash Gordon avec 2001, Odyssée de l'espace, qui sont deux choses apparemment très différentes, et ça passe très bien. C'est-à-dire que c'est un film qui ne se prend pas au sérieux, et qui en même temps, comme toujours chez Lucas, parvient à créer un monde qui est assez cohérent, parce que on avait vu déjà il y a quelques années de Lucas un film de science-fiction qui était très beau, qui s'appelait THX-1138, qui est un film extrêmement sérieux, au contraire très désespéré. Et cette fois-ci, il y a une sorte de comédie spatiale. Je pense que personnellement, c'est une très bonne idée. Et puis évidemment, il y a les trucages et les moyens américains. Il y a quand même une invention qui est constante. Et ça ne fait jamais grand magasin, ce qui est assez appréciable. Puis alors, il y a plein de références. Quand même, il y a un hommage à la bande dessinée. Oui, ben Flash Gordon, c'est la bande dessinée. Il y a même Tintin Milou, si on veut. C'est plutôt bien. Un film en clin d'œil, plutôt qu'en hommage, je dirais. C'est-à-dire que ce n'est pas un côté ému, c'est quand même à la limite du parodique. Puisqu'en fait, le robot sort déjà pour filmer Metropolis, ou presque, le robot tout entièrement doré. Ah, l'idée des deux robots est extraordinaire, comme personnage constant. Mais j'en ai, cette fois-ci, c'est un personnage qui pense, qui commente une sorte de cœur antique. D'ailleurs, je crois que, contrairement à ce que vous avez dit, le film se passe il y a plusieurs centaines, ou même il y a plusieurs milliers d'années, et non pas dans plusieurs... L'année-lumière. Oui, la situation dans le temps n'est pas très importante, mais effectivement, on reprochait tout à l'heure... un film que l'argent ne se voyait pas. Dans le cas présent, effectivement, tous les gadgets techniques, tous les éléments de modernisme, etc., sont visibles dans le film, et il est assez prodigieux, rien qu'au niveau technique, au niveau des caméras qui ont été créées pour filmer, au niveau de ce travail de recherche, c'est absolument éblouissant. Moi, je ne m'intéresse pas du tout à la science-fiction. On pourrait croire, en voyant les quelques séquences, que le film est uniquement un film de science-fiction et qui ne recouvre que le public de s'être intéressé à ce thème. Moi, je ne m'intéresse pas du tout à la science-fiction, mais j'ai trouvé ça absolument prodigieux et intéressant sur le plan cinématographique du début à la fin. C'est-à-dire que, effectivement, c'est du cinéma. Il y a, bon, une histoire d'aventure absolument simple et banale, même à la rigueur, mais le réalisateur a fait preuve d'une grande invention et il a voulu vraiment faire quelque chose d'éblouissant et il a réussi. C'est un film qui est enfantin sans être infantile. Voilà, c'est ça. On ne tombe jamais dans aucun cliché du cinéma classique, commercial, traditionnel. Et là, on a vraiment quelque chose de très bien envoyé, avec un réalisateur qui a des idées, qui n'a pas pu aller jusqu'au bout dans des films précédents, THX, qui n'a jamais été montré en Suisse d'ailleurs. Et là, il a réussi à concilier l'aventure et un niveau, disons, de recherche assez prodigieux au niveau du cinéma. Et aussi le niveau plastique, parce que c'est quand même très beau à voir. Je crois que nos amis américains s'en tirent bien, la critique est plutôt favorable en ce qui concerne ce Star Wars, qui sera présenté sur les écrans romans, je crois, courant novembre, et en Suisse alémanique à la fin de l'année, à peu près, au mois de décembre. En tous les cas, vous en entendrez parler beaucoup, et nous en reparlerons d'ailleurs lors de la sortie du film.
but we have no weapons. You can't... You prefer another target, a military target, then name the... name it now, before I go home in disgrace. Here's where the fun begins. Well? How long? Three cameras. All right. Glad you were here to see it. Now let's get some distance before that thing goes... supernova. How do you pronounce supernova? What inflection? Supernova or supernova? Bonjour, toi. Vous avez parti lié avec les rebelles. Vous avez trahi. Qu'on l'emmène! Bien avant les jours sombres et l'avènement de l'Empire. Force du mal, Vador. Que la force soit avec toi, à jamais.